Salut les gars, vous êtes bien à la Hero Game Company, nous sommes le lundi 7 octobre et je peux enfin vous parler de ce nouveau jeu qui sort demain, le mardi 8 octobre. Et il s'agit des nouvelles aventures de Yuka et Laili. Alors si vous ne les connaissez pas, Yuka et Laili, ce sont d'un côté un petit gecko et son copain la chauve-souris qui ont déjà vécu des premières aventures il y a 2 ans sur PS4 et Xbox. Ce nouvel épisode s'appelle Yuka et Laili, The Impossible Lair, le repère impossible, le méchant qu'ils ont battu dans le premier épisode, que voici et qui s'appelle Capital B. D'ailleurs, il a un faux air de gros, de moins moche et méchant. Eh bien, il est de retour pour ressemer la pagaille dans Domiel Royal. Voici la reine de ce royaume, elle s'appelle Phoebe. Je vais vous raconter rapidement le pitch de cette histoire, car là, les dialogues sont un peu longs. En fait, le méchant Capital B a mis au point une arme pour capturer les soldats abeilles, le dompteur des saints. La reine Phoebe demandera donc à Yuka et Laili de sauver son royaume et de libérer les soldats abeilles. Comme souvent, les premières minutes de ce jeu servent de tutoriel et ce qui frappe tout de suite, ce qui saute aux yeux, eh bien c'est que ça en jette. C'est coloré, c'est vraiment magnifique, les graphismes sont somptueux et c'est très fluide. Sachez que le jeu tourne à 60 FPS. Ici, je le teste sur PS4, il sera également disponible naturellement sur Nintendo Switch et sur la Xbox. J'ai eu l'occasion de jouer beaucoup à ce jeu pendant tout le week-end, je vais donc pouvoir vous donner mon avis à ce sujet. Ce qui revient naturellement immédiatement à l'esprit quand on voit ce couple d'animaux, c'est les jeux de plateforme mythiques sur Nintendo 64. Je pense notamment à Banjo et Kazooie, mais également à Donkey Kong Country par exemple. Pour se déplacer, Yuka pourra compter sur son ami chauve-souris Laili pour vivre-volter dans les airs. Et pour tuer les ennemis, le gecko pourra faire 2 petites roulades et casser des caisses. Mais il y aura également d'autres dispositifs comme ici, un bouclier de protection qui est en fait constitué de soldats abeilles. Et vous voyez qu'à chaque fois que les deux compères se font toucher, un soldat abeille disparaît. Et bien ça, dans cette introduction, ça nous montre tout l'intérêt et le but du jeu. Car ce sont justement ces soldats abeilles que nos deux compères devront récolter tout au long de l'aventure. Autre originalité, le boss final qui est donc Capital B, on va pouvoir l'affronter dès les toutes premières minutes du jeu, un peu comme un Zelda Breath of the Wild où Link pourrait affronter Ganon, mais naturellement, au départ, eh bien vous n'avez aucune chance de gagner puisque vous n'avez absolument aucune protection, vous vous faites toucher 2 fois et vous mourrez, et d'ailleurs c'est exactement ce qui va m'arriver là tout de suite. Et ben voilà, ça y est, je suis mort. Alors pour nous aider à justement récolter ces soldats abeilles, la reine Phoebe va nous aider. Elle va déchirer les pages du grand livre et disséminer tous les chapitres dans le royaume de Domiel Royal. Chaque chapitre, vous l'aurez compris, constituera un niveau de jeu. Voilà, et là on voit que chacun des chapitres est en train d'atterrir dans le royaume donc de Domiel Royal. Ça sera à nous de les trouver tous. Alors il faut savoir qu'en tout, il y a 48 soldats abeilles à récolter, ce qui constitue donc 48 niveaux à franchir. Vous n'êtes pas obligé de faire les 48 niveaux, vous pouvez tenter à n'importe quel moment le boss final, mais naturellement, plus vous avez de soldats abeilles qui vous protègent, et bien plus vous aurez de chances de battre le boss final. Et quant au niveau, bien vous le voyez, ils sont vraiment super variés, toujours hyper colorés. Il n'y a jamais de ralentissement, je n'en ai vraiment jamais vu. Ça tourne toujours de manière très stable à 60 FPS. Et là, vous voyez qu'au fil du jeu, on récolte très très souvent des plumes en or, un peu comme les pièces d'or dans Super Mario. Ces pièces vont nous servir, une fois récoltées, pour acheter des améliorations à nos deux amis. Alors pour les plus pressés, on peut jouer au speedrunner et vraiment passer chaque niveau comme une balle pour arriver vraiment au bout, ou alors explorer tranquillement le moindre recoin, casser chacune des caisses qu'on peut trouver. Il y a vraiment beaucoup de coins cachés et de surprises tout au long de ce nouvel opus donc de Yuka et Laili, The Impossible Lair, le repère impossible. Parlons un peu de la maniabilité, ben je trouve qu'elle est vraiment excellente, j'ai jamais vraiment eu de problème lorsqu'il s'agissait de viser, de sauter d'une plateforme à une autre. Yuka le gecko répond absolument parfaitement.
Et là, je suis en train de terminer le niveau. Vous voyez, il y a également des objets que le gecko peut prendre avec sa langue pour les jeter sur ses ennemis. Et nous arrivons à la finalité de ce deuxième niveau. Et nous libérons le deuxième sol d'abeille. Yes. Et ce qui est vraiment très intéressant, qui rend ce jeu pas lassant du tout, c'est que des Impossible Lair mélange les phases purement plateforme que nous venons de voir jusqu'à présent à des phases vues d'en haut qui sont plutôt des phases de réflexion, puisque pour trouver les chapitres disséminés dans Domiel Royal, vous allez devoir actionner des interrupteurs, déplacer des cailloux, faire sauter des parois. Au départ, c'est assez facile, mais plus vous avancez dans l'aventure et plus vous allez vous arracher les cheveux pour trouver la solution. Là par exemple, c'est assez facile pour accéder à la plateforme d'en haut. On va devoir actionner la petite manette qui se trouve là à gauche pour déplacer le portail là. Et bah voilà, là on peut monter et accéder à cette grotte qui contient un coffre. Et pour l'atteindre ce coffre, non, vous n'arrivez pas à sauter aussi haut. Vous allez devoir passer dans l'eau. Casser les caisses. Et il vous arrivera de tomber sur des buissons qui font pousser des bombes. En bon gecko qui se respecte, Yuka utilisera sa langue collante pour gober les bombes. Et là, vous les jetez sur des parois pour les faire exploser. Ça me fait penser également un peu à Zelda d'ailleurs sur Switch. Quelques petits clins d'œil, quelques petites références. Et vous le voyez là, vous avez un passage qui est caché, qui vous mène tout en haut, au coffre, qui est donc rempli de... Eh bien on va voir... rempli de plumes en or qui nous serviront, je vous le rappelle, à acheter de nouvelles compétences. Attaquons maintenant le deuxième niveau. Pour ça, il suffit simplement de sauter en fait sur le livre ouvert. Concernant la difficulté de la phase plateforme, elle est extrêmement bien dosée également. Au départ, c'est très très facile. Mais les embûches et les difficultés vont se multiplier. Lorsque vous faites toucher une première fois, eh bien la chauve-souris, la hélice, s'envole et vous vous retrouvez tout seul. Attention à ne pas vous faire toucher une deuxième fois, sinon c'est game over. Mais pour rappeler votre ami, vous avez des petites clochettes comme celle-ci qui sont disséminées un peu partout dans les niveaux. Et là, votre copain revient immédiatement. Deuxième niveau terminé, nous récoltons ainsi notre second sol d'abeilles sur les 48. Là, on est plutôt dans un univers très forestier avec des araignées qui sont assez difficiles à battre d'ailleurs. Alors, on a déjà parlé de la fluidité, des graphismes, de l'histoire. Parlons de la bande-son qui, elle aussi, est excellente. Chaque niveau a son univers qui est très très différent. Et les musiques sont vraiment extrêmement envoûtantes. Quant aux effets de lumière, ils sont juste somptueux. Et vos adversaires, justement, parlons des adversaires et des créatures. On en a également un très grand nombre. Là, on a un gros crabe qui était juste trop trop beau. Assez facile à battre quand même, je vous rassure. Attention à ne pas tomber dans le vide. Ouais, c'est bon, ça passe. Là, ces plateformes, vous y attardez pas, car les cordes se coupent si vous restez trop longtemps dessus. Alors, il n'y a pas à proprement parler 48 niveaux dans ce jeu. Certains niveaux peuvent être abordés de deux manières différentes. Là, on a un exemple parfait d'un niveau avec des fontaines qui montent et qui descendent. Eh bien, ce niveau, on pourra le rejouer dans une séquence de glace où toutes les fontaines sont gelées et qui vont vous permettre d'atteindre des plateformes que vous ne pouviez pas atteindre dans le niveau avec l'eau, par exemple. Voilà, voici le fameux niveau, le même niveau que tout à l'heure, mais avec les fontaines qui sont gelées. Et c'est un niveau qui est vraiment de toute beauté, avec les effets de glace et de la neige qui tombe. C'est superbe, c'est un de mes niveaux préférés, je l'adore. En revanche, attention, avec la glace, il y a un certain effet d'inertie qui font que nos deux amis
glisse, il va falloir en tenir compte lorsque surtout vous, vous essayez d'atteindre des plateformes, pardon. Bref, vous l'avez deviné, les amis, Yuka et Lily, The Impossible Lair en français, le repère impossible, eh bien, c'est du tout bon pour qui aime les platformers. Eh bien, vous allez vraiment adorer ce nouveau jeu. C'est un petit bonbon, c'est vraiment un petit bonbon, très très coloré, graphiquement excellent, super fluide, à la difficulté extrêmement bien dosée. Il est disponible sur PS4, sur Xbox et sur Nintendo Switch. Disponible dès demain, le mardi 8 octobre 2019. Allez-y, c'est du tout bon, moi je l'ai adopté. Et maintenant les gars, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce jeu, si c'est votre cam, les platformers ou pas. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'étais content de passer ce petit moment avec vous, j'espère qu'il y en aura d'autres. À très très bientôt à la Hero Game Company. Ciao les gars, bye bye.